Bonjour à tous, nous sommes le 7 mai. Je redémarre de l'ermitage que l'on voit juste derrière cet arbre. Une belle journée nous attend, le soleil est déjà là. Il n'est pas encore 8 heures. Et c'est parti avec un beau ciel bleu, un beau soleil. Il va faire très chaud. Direction Fromista. Gros bisous. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent pour vous parler. Il fait encore froid, mais d'ici une demi-heure, je pense que je vais être obligée de sortir le blouson. Alors, que je vous explique. Hier, avec Françoise, on devait se retrouver dans une albergue qui était en dehors du chemin. J'étais la première, j'étais devant elle. J'y suis allée pour trouver finalement, dans ce village, un petit bar. Et où on m'a dit que l'albergue était fermée. Donc il a fallu que je revienne sur le camino. Et on m'a indiqué l'ermitage où nous avons dormi cette nuit. Françoise, j'aurais aimé lui éviter cet aller-retour au village, mais je ne savais pas où elle était, donc je n'ai pas pu lui économiser ce chemin. Nous avons donc fait plus de 2 km en plus. Voilà. Mais à l'ermitage, c'était vraiment génial. C'était en Donativo. Là où nous étions pour manger et dormir, il n'y avait pas d'électricité. On était avec des bougies. Par contre, il y avait un petit bâtiment à côté avec les douches et les water. Alors, c'était en dehors, bien sûr. Douche, water, électricité. Voilà, donc nous y étions très bien. On a super bien dormi. Vraiment génial. L'hospitalier aussi. On a eu une petite cérémonie spéciale avec un genre de baptême pour que nos pieds nous portent jusqu'à Santiago. Vous verrez ça sur la vidéo. Hier soir, effectivement, on n'a pas pu faire notre vidéo car il n'y avait pas de Wi-Fi. Quand Françoise est arrivée hier soir, qu'elle m'a rejoint, enfin hier en fin d'après-midi, elle m'a dit « j'en peux plus, j'ai mal au genou, il faut qu'on renvoie la tente ». Bon, sur le moment, ça m'a un petit peu contrariée parce que mon budget ne me permet pas d'être tout le temps en albergue. Puis réflexion faite, je me suis dit, bon, en allant dans les albergues les moins chers ou en Donativo, ça devrait pouvoir le faire. Donc là, on est en direction de Fromista. J'ai pu faire réserver par l'hospitalier de l'Ermitage. Le lieu, la dame m'a rappelé, elle parle français, donc c'est génial. J'ai pu m'expliquer avec elle, c'est bon, notre place est réservée en Donativo. Ça, c'est très bien. Donc, à Fromista, on va se retrouver. On renverra tout ce qui est matériel de bivouac pour que Françoise souffre moins de son genou. Moi aussi, les genoux. Plus, depuis hier, mes corps à chaque pied qui se sont réveillés. Et dès qu'il fait chaud, alors là, je souffre. Alors, des ampoules, ça se soigne au bout d'un certain temps. Les corps, je vais les avoir pendant 3 mois si je marche 3 mois. Donc, ça va être compliqué. Et bon, un peu moins de poids sur le dos, ce ne sera pas plus mal. Voilà, on arrive toujours à se mettre en accord toutes les deux. Hein, c'est ma petite sœur de cœur, hein, c'est pas pour rien. Voilà, allez, bisous à tous. Bonne journée, regardez ce beau ciel bleu. Alors, voyons, c'est pas la peine qu'on me voit à moi. Regardez le paysage. Alors, il n'y a rien autour, que des champs à perte de vue. Un beau ciel bleu avec un beau soleil. Je ne sais pas comment vous le montrer. Bon, c'est pas grave. Oui, il est derrière moi. Ah, j'ai une auréole. C'est pas beau ça? Sainte Gina. Allez, bisous!
Bon, il n'y a pas grand-chose à vous raconter, ni grand-chose à vous faire voir. Le paysage est plat, avec des cultures intensives. Donc, pas grand-chose, non. J'ai sorti mon blouson, j'ai sorti ma veste, parce que je commençais à avoir vraiment chaud. Je suis donc en petite chemise. Et je vais vous parler de moi. J'ai 67 ans. Je porte un sac qui fait environ 15 kg. Peut-être un peu plus parce que j'ai chargé en eau vu qu'il n'y a rien sur le chemin. Et devant, j'ai une banane avec elle aussi beaucoup d'eau qui doit faire à peu près 1,5 kg. Comment je fais pour pouvoir porter tout ce poids sur des distances aussi longues pendant plus d'un mois, un mois et demi, voire plus? Jeune, j'ai fait beaucoup de sport. Il y a eu les enfants, le sport j'en ai fait moins, même si j'ai fait de la compétition. Et ça faisait des années que je n'avais plus fait de sport, vraiment de vrai sport. Un peu d'entretien, de marche ou comme ça, c'est tout. Mais j'ai toujours conservé mes abdominaux. Car pour tenir tout ça, il faut des abdos. Quand je marche sur le chemin, sur le camino, je rentre le ventre. Je serre les abdos. De suite, mon poids de sac paraît allégé. En plus, je suis une femme. Je serre le périnée fort. Ça fait du bien, croyez-moi, c'est très très bien. Tout ça étant bien serré, le ventre, le périnée, je marche à un rythme régulier. Tout est bien serré. Je rythme ma respiration avec mes pas. Et je souffle plus que je n'inspire. J'essaie de vous montrer. Moi, je marche sur 3 pas, 2 pas. J'espère que vous avez compris. Je suis beaucoup plus discrète, bien entendu, en marchant. Mais c'est comme ça que je procède. J'ai un bon rythme. Ça me permet de m'arrêter, de faire des photos, des vidéos et surtout de tout supporter en poids malgré un âge qui quand même est un petit peu avancé, n'est-ce pas? Bisous à tous et buen camino! Hola, gracias. h 30, je suis déjà là. J'ai, semble-t-il, fait presque 10 km en peu de temps. Je n'en reviens pas. C'est vrai que marcher le matin avant qu'il fasse trop chaud, ça aide beaucoup.
suis dégoûtée. Je viens d'arriver à Fromistar. J'ai voulu aller à l'église de Fromistar pour me recueillir un peu, me poser, mettre en ordre mes pensées. On m'a interpellée, on m'a montré un ticket. Tourista, on m'a dit 1 euro. J'ai dit non, pèlerin, pas touriste. Je viens prier. Tourista, 1 euro. Je suis ressortie. On ne peut même pas prier dans une église, il faut payer. Je suis dégoûtée, dégoûtée. Je sais qu'on est accompagné. Ma maman est là, tout ce que j'aime sont là. Ben, ça me suffit. Les bâtiments, c'est beau, mais je suis déçue. Bisous à tous. Je suis arrivée vers midi à Fromistar. À 13h, je sonnais pour entrer à l'albergue Betania en Donativo, qui heureusement a été réservé depuis ce matin par l'hospitalier où on était hier soir. C'est un petit appartement, enfin une chambre avec une douche, puisque à cause du Covid, ils ne peuvent pas ouvrir la cuisine. Nous serons trois dans cette chambre, donc j'attends Françoise. La dame, vu qu'il n'y a pas de cuisine, nous a quand même mis un petit micro-ondes, nous a mis un peu de vaisselle, de quoi pouvoir déjeuner un petit peu demain matin, et éventuellement pouvoir manger un petit peu en se le faisant chauffer au micro-ondes. Voilà, tout ça en Donativo, c'est vraiment super. Donc voilà mon lit. Françoise, je ne sais pas dans lequel elle choisira, on sera trois dames. Afin d'aider Gina et Françoise à récolter des fonds pour des enfants sans cancer, envoyez vos dons grâce au lien dans le descriptif.